Si jamais un mec me disait, moi j'adore vraiment genre être dominée et tout, je serais là, je peux pas t'aider quoi, je sais pas, paye des impôts, tu verras. Tu vas être bien dominée comme il faut. La réforme de retraite, oh là là, tu vas vraiment bien t'apprendre, t'inquiète pas. Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de ken. Alors ici, on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool, comme à ma droite, pour parler des sujets qui comptent et répondre aux questions qu'on se pose toutes. Alors Femtasy, c'est de l'audio érotique et de l'audio porn, parfois super vanille et parfois très 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 hardcore. Donc forcément, ce podcast, on vous promet, il va envoyer du lourd. Alors c'est parti. Je suis débauché, tu es débauché, nous sommes des débauchés, ceci est débauche. Hello, bonjour, bienvenue. On va parler de fantasmes, mais de fantasmes encombrants. De ces fantasmes qu'on n'ose pas trop dire à voix haute, soit parce qu'ils rentrent en conflit avec nos valeurs, soit parce qu'ils nous font juste carrément honte et qu'on n'assume juste pas. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir honte de certains de ces fantasmes? Pourquoi c'est pas aussi facile d'éduquer ces désirs que d'éduquer son palais? Peut-on être féministe et aimer se faire dominer au lit? C'est la grande question. Pour parler de tout ça, on est aujourd'hui accompagnée de la merveilleuse Marion Séclin. Elle est actrice, elle est vidéaste, réalisatrice et leaderuse d'opinion féministe. Hello Marion, comment tu vas? Salut, ça va et vous? Ouais, la présentation t'allait, ça va? Voilà, bah ouais, j'étais même un peu... Je sais pas si je suis capable d'endosser ça, hein. C'est quand même une grosse responsabilité quand même. Leaderuse d'opinion et tout, j'étais là, allez. Leaderuse d'opinion, bah, c'est stylé. Bah, en tout cas, c'est exactement ce qu'on disait avant de démarrer cet épisode, en vrai. C'est que nous, en tout cas, dans cette salle, tu nous as grave l'idée d'opinion. Enfin, cette phrase ne veut rien dire. Mais ouais, tu nous as grave influencé, nourri dans notre féminisme. C'est ta faute, en fait. Ouais, tout est ta faute. Tout ça, là, tout ce qui se passe, maintenant. Mais le sexisme, c'est de ma faute aussi. En fait, j'ai créé le sexisme pour pouvoir du coup parler de féminisme et dire ah ouais, je suis un peu, c'est le pompier pyromane, j'adore faire ça. C'est parfait. Pour passer pour une héroïne, c'est bien, ça marche bien. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on te pose toutes les questions qu'on a en réserve, moi ça m'intéresse, Lisa, de savoir ce que ce sujet du jour sur les fantasmes, ça t'a inspiré. Parce que c'est un peu ton job quand même. C'est carrément mon job, créer des fantasmes. Effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, Lisa est rédac-chef chez Femtasy et c'est elle qui fait les audios érotiques et l'audio porn. Donc normalement, les fantasmes, c'est censé un petit peu la connaître quand même. C'est un peu mon dada, ouais. Et les fantasmes qui dérangent, ça m'intéresse particulièrement. Les trucs encombrants, les trucs qu'on ne veut pas dire. Alors, si on revient à la base, les fantasmes de base, c'est quand même tout un imaginaire qui nous fait du bien, même si parfois ça nous fait du mal. Et ouais, pour moi, les fantasmes, c'est, tu vois, cette image des trucs qui vivent tranquillou sans payer le loyer dans notre tête, et on se les passe, on se les repasse, quand on a envie de s'échapper un peu de la réalité. Parfois, on change de lieu, parfois, on change d'accessoire. On peut rajouter une personne ou deux dans la partouze, selon l'humeur, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui se passe lorsqu'on cherche à réaliser ces fantasmes. Parce qu'il y a quand même deux choses différentes entre les fantasmes et la pratique sexuelle. Et en général, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pas forcément parce que ça peut être des pratiques super sophistiquées, mais parce que passer à se confronter à la réalité qu'on a une idée dans la tête, ben, parfois, ça fait un petit clash. Alors moi, j'ai une histoire qui est assez mignonne, hein, mais je me suis dit, je vais commencer comme ça. J'ai une histoire toute mignonne d'une meuf avec qui je suis sortie, qui avait un fantasme très très précis. Donc elle m'annonce la couleur dès le début, qu'elle a un fantasme très précis. Je prends des semaines à découvrir ce que c'est. Et je me rends compte... J'ai un truc, mais je te le dis pas. Exactement. Et je me sentais bien que c'était pas une histoire de petite, menotte toute mignonne, etc. Je pensais que j'avais bien conscience qu'il y avait jeu de rôle, maquillage, costume, tout le toutim. Et ouais, effectivement, je découvre petit à petit, j'ai des glanes des informations. Je comprends dès le début que c'est un personnage Disney, donc c'est déjà une des informations qu'on glane. Et du coup, moi, dans mon imaginaire, je me dis, ok, vas-y, princesse Disney, easy. C'est un peu contre mes valeurs quand même, c'est quand même très genré, mais pas grave, c'est vas-y. C'est le roi lion, genre, s'il te plaît. Je dis, c'est pas grave, je la fonce. La petite sirène, chelou. Si. Oui. Qui est pas ça? Effectivement, après plusieurs semaines, je découvre que son fantasme ultime, c'est la petite sirène. Non. Je me dis, ok, trop bien. Je mets la perruque rouge, je fais Ariel, franchement, ça va, sympa. Je sais pas trop où je peux trouver la queue, mais bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que, quiproquo,
de l'angoisse. Donc, en fait, c'était le crabe, genre. C'était Polochon. C'était pas Polochon. La meuf était du coup bi. Et pour le coup, c'était pas Ariel, mais c'était le roi Triton. Voilà, donc genre son robe quoi. Du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. Pour le coup, ça me paraissait pas trop ok pour moi à ce moment-là de mettre la barbe blanche. Voilà, donc j'ai lâché l'affaire. Mais pour moi, c'était un bel exemple en fait de fantasme qui est réalisable, qui demande pas trop de logistique, mais qui quand même peut un peu te pousser dans tes retranchements. Ouais, et toi, ça t'est déjà arrivé, Marion, d'être confrontée à genre à des fantasmes et d'être là, genre c'est pas possible quoi. Non, pas trop. En général, je pense que j'ai eu la chance ou la malchance hein, de tomber sur des personnes qui avaient des fantasmes assez basiques, c'est-à-dire des mecs hétéros qui avaient comme fantasme qui est une fille en plus, un plan A3. Et ou alors des... Non, franchement, j'ai pas eu de trucs vraiment particulièrement amusants à raconter. Je pense aussi qu'il y a plein de mecs avec qui j'ai été qui parlent pas, qui disent pas. Donc, qui vont regarder le porno, qui regardent avec les tags les pires, mais toi, ils te le diront jamais parce que, bah, effectivement, il y a toujours un peu de honte derrière. Surtout, je pense, quand tes tags sont relativement illégaux. Quand, par exemple, t'aimes bien qu'il y ait écrit teen girl et que tu te dis, si je commence à l'assumer, que j'ai érotisé les jeunes filles mineures, ça va être complètement compliqué. C'est compliqué. Et en même temps, il faut en parler, quoi. Et puis, sinon, chez les nanas, en général. Non, pas tellement de trucs hors du commun. Peut-être des lieux, des moments, des. Mais c'est plus peut-être l'idée en fait qui est excitante que le réel truc quoi. Ouais, je trouve ça intéressant qu'en fait les fantasmes se retrouvent. En général, on tombe vachement sur les mêmes choses. Donc c'est aussi parce qu'on a érotisé les mêmes choses, que ce soit sur le corps des femmes. Du coup, pas aussi des hommes, mais et aussi sur certains lieux, la pop culture. Enfin, nous a vraiment fait érotiser certaines étapes de vie et certains lieux vraiment iconiques, tu vois. Mais dans les faits, à chaque fois, je suis un peu déçue. Hein, pendant la réalisation, j'allais dire la même chose. En fait, moi, ce qui me choque, c'est pas d'être tombée sur des mecs qui avaient des fantasmes différents. C'est au contraire, ce qui me choque, c'est que tous les mecs avaient exactement les mêmes fantasmes. Donc, j'ai l'impression que c'était tous un peu copié-collé, tu vois. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Soit c'est une coïncidence de dingue que tout le monde aime les mêmes choses. Bah, non, c'est qu'on est élevés dans la même société, donc on a relativement tous et toutes la même manière d'érotiser les mêmes choses. Et autant les mecs vont érotiser les filles jeunes, autant les femmes elles-mêmes, parfois, vont se dire, bon, bah, à passer tel âge, moi, je vais plus être désirable. Et c'est encore une fois un truc qu'on a dans la tête, mais qui n'est absolument pas une vérité universelle, mais où c'est hyper difficile, parce que si les mecs décident pas d'en parler... De dire, moi je sais pas pourquoi, le côté sans aucun poil, très jeune, très docile, que je vais pouvoir maîtriser, c'est quelque chose qui m'excite, plutôt que de s'éduquer, de le déconstruire en se disant, peut-être ça peut poser un problème quand je vais vieillir, parce que l'écart d'âge du coup va être énorme, et puis surtout c'est bizarre de demander à ta meuf qui a passé 30 ans de ressembler à une ado, en fait, c'est chelou. Plutôt que d'en parler, de le déconstruire et de se dire, j'ai qu'à. Tenter d'érotiser autre chose, des choses qui sont moins problématiques, ils le font pas. Mais en fait, je pense que tous ces gens qui disent ça n'a rien à voir, ils savent que ça a à voir, mais ce qu'ils veulent juste dire, c'est ma personnalité au lit est différente de ma personnalité dans la vie. Tu vois ? Mais je pense que moi, je pense qu'ils ont pas forcément conscience, mais qu'ils se disent que si ça commençait à être quelque chose qu'ils pouvaient contrôler, qu'ils pouvaient diriger, ils pourraient plus se cacher derrière rien du tout. Et c'est trop compliqué de se remettre en question. C'est vraiment quelque chose que l'être humain ne sait pas faire. Dire qu'il a tort, dire que c'est peut-être pas le bon endroit, et dire que peut-être il y aurait des moyens de faire autrement. Donc en général, ils disent, je suis comme ça. Donc non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est pas ça. Les mecs qui peuvent t'expliquer que eux, par exemple, c'est vraiment pas de leur faute, mais ils aiment pas du tout les poils. Et t'es là. Bien sûr, c'est pas de ta faute, c'est vraiment le hasard, quoi, que dans une société où on pousse les femmes à s'épiler, toi t'aimes pas les poils, quoi. Mais waouh, t'es le seul. Mais gars, t'es le seul. En plus, tu penses, ça vient d'où? C'est trop bizarre. T'as été traumatisé par un poil quand t'étais petit? Bah non, t'as pas été traumatisé par un poil. C'est juste que t'as vu que ça comme modèle, donc forcément. Mais du coup, le fait de dire, mais moi je peux pas faire autrement, en fait, c'est comme ça. Je c'est quelque chose, voilà, je l'ai. Je peux rien y faire, c'est beaucoup plus facile comme ça, tu déconstruis pas. Ouais. Parce que les tags pour les nanas, toutes les femmes non blanches et même les blanches ont été exotisées, toutes. Donc dans le porno, t'as un truc où c'est presque ok pour un mec de dire moi j'aime bien les Asiates. Et t'es là,
c'est bizarre. Enfin, en fait, on n'est pas des accessoires. T'es pas à la foire fouille, frère. Pourquoi tu... C'est genre, c'est trop bizarre. Enfin, vraiment, tu t'es pas en train de choisir un item dans une boutique, quoi. Mais si, eux, ça les dérange pas de dire. Ouais, j'aime bien tel type d'ethnie. Et moi, la question que je me posais, Marion, c'est que quand on t'a proposé l'épisode, t'as direct dit ouais, ce sujet, enfin, je l'aime trop, il me passionne trop, le sujet des fantasmes. Pourquoi tu t'es pris de passion pour ce sujet des fantasmes? Je crois que c'est pas tant le sujet des fantasmes, mais le fait de discuter des paradoxes qui vivent à l'intérieur de nous, de comment est-ce qu'on est éduqué par la société et de comment est-ce qu'on gère ensuite ce qu'on aime parce qu'on nous a dit qu'il fallait aimer ça, et la déconstruction de cette norme-là, et à quel point en fait on peut avoir un contrôle dessus, et à quel point on peut aussi ne pas avoir de contrôle dessus, et décider en toute conscience de laisser ces fantasmes exister, même si on sait qu'ils sont dus à une inégalité d'éducation totale. Et je trouve que c'est ces paradoxes-là, ces nuances qui vivent à l'intérieur de chaque individu, qui est hyper important aujourd'hui comme discussion. Parce que je pense que la malhonnêteté, elle vient quand on commence à pas faire le pas d'en être conscient ou consciente. Quand on commence à dire « non mais moi je suis comme ça, c'est pas de ma faute, moi c'est vraiment mes goûts, c'est mes goûts personnels », en oubliant complètement qu'on n'a pas vraiment de goûts personnels parce que du coup on est quand même beaucoup influencé par le monde dans lequel on vit. Je pense que c'est pas... T'es pas à l'aise avec tes fantasmes quand toi-même tu te mens en te disant que c'est comme ça, c'est ce que t'aimes, tu ne l'as pas choisi, ça t'est tombé dessus. Et donc j'adore cette conversation parce qu'elle permet encore plus d'aller dans le fond des choses pour expliquer aux femmes comme aux hommes qu'on n'est jamais assez déconstruit et on n'est jamais assez en conscience des choses qu'on aime ou qu'on fait. C'était une très longue réponse. Mais ouais, non, mais c'était bien, non, ça fait complètement sens. Et tu vois, le premier fantasme qui vient toujours en tête, c'est aussi c'est un truc qui, moi, m'a tendance à me titiller, quoi. C'est un truc que je suis pas trop à l'aise. Parce que forcément, un des fantasmes qui a été, une pratique, en fait, qui a été démocratisée très, très largement ces dernières années, c'est forcément le BDSM. Donc c'est quand même... Parler du BDSM comme le BDSM, c'est toujours un peu stupide parce que c'est tellement large comme pratique. Il y a plein de lettres là-dedans, c'est parce qu'il y a plein de pratiques là-dedans. Mais en général, si on s'intéresse au D, donc à DS, domination et soumission, c'est quelque chose de super intéressant parce que forcément, j'ai l'impression de le redire et redire dans les épisodes, mais parce qu'on est les héritières de notre tradition judéo-chrétienne. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Parce qu'on a érotisé la violence des hommes, et ben forcément... tu vois, je me rends compte avec les personnes avec qui je parle, les fantasmes d'être du coup dominé, mais ça peut être de la domination de genre je te dis quoi faire, de la domination genre je te piétine. C'est des trucs qui sont tellement largement partagés par les meufs, aussi déconstruites que possible, quoi. Et moi, ça me questionne en fait, parce que à la fois, j'ai pas envie de te dire je suis là pour te. Enfin, si tu peux pas être féministe et vouloir à ce point être complètement dominé. Mais à côté de ça, mon job, c'est aussi de te dire que t'as le choix d'aimer ce et de vouloir ce que tu veux, tu vois. Donc franchement, c'est le sujet qui vraiment me questionne de ouf et aussi rend mon job super compliqué. Mais juste avant de rentrer en profondeur dans cette question-là, parce qu'il y a un milliard de trucs à dire sur cette question, juste est-ce qu'il pourrait pas y avoir une réponse de, tu sais, au même titre que les hommes politiques, les figures, les personnalités les plus puissantes du monde aiment bien se faire dominer, voire dégrader, voire humilier au lit, tu sais, on le sait depuis des années, il y a eu des tonnes de trucs, de scandales médiatiques où on a su ce genre de choses, est-ce que quelque part ça pourrait pas être la marque d'une femme puissante que d'aimer aussi se faire dominer et lâcher prise pour lâcher la charge mentale, lâcher la puissance qu'elle doit gérer au quotidien, tu vois, pour quelque part s'abandonner sans, et ça remettrait pas en compte sa puissance, tu vois, les fameux hommes politiques méga puissants qui aiment se faire dégrader au lit, tu te dis pas que c'est des gens pas puissants pour autant, tu vois. Moi, je pense qu'effectivement, il y a le pouvoir d'être dominé, c'est d'être capable vraiment de lâcher prise, chose que plein d'hommes puissants sont pas capables de faire, et d'hommes tout court en fait, parce qu'ils ont l'impression que ça, justement, ça les dégrade, ça les avilit, ça les rend un peu plus nuls, alors qu'en fait lâcher prise, c'est vraiment quelque chose. Après, je pense que les trois quarts des personnes qui aiment la domination ne sont pas conscientes de ça, et donc du coup ça retire ce que tu viens de dire, parce que à partir du moment où t'es pas consciente que finalement par la domination tu rentres dans quelque chose d'un peu méditatif et d'un lâcher prise total, alors que t'as plutôt du contrôle sur tout dans ta vie,
bah en fait ça marche pas de cette manière là tu vis la domination comme juste j'ai envie d'être ta petite salope et tu te poses pas plus de questions derrière mais tant que tu l'as pas intellectualisé et que tu t'es pas dit ok effectivement je comprends aussi que quand je fais ça je passe par cette espèce de truc de bien-être quoi qui est de me dire je suis pas en contrôle vraiment genre je me lâche complètement et effectivement c'est plutôt intéressant de voir que beaucoup d'hommes sont pas capables de faire ça. Mais maintenant, si t'es pas consciente que quand tu fais ça, tu le fais pour cette raison, je pense que ça n'a pas cet effet-là. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec toi, complètement. Parce qu'en fait, aussi dans le BDSM, en fait, c'est un ensemble de pratiques, il y a un protocole qui est extrêmement défini. Le consentement est vraiment au cœur de ces pratiques-là. Vraiment, c'est une étiquette très très précise et le rapport de domination-soumission, c'est un contrat. Un contrat qu'il faut suivre de façon très très précautionneuse. Il faut être très précautionneux, précautionneuse. Et il y a un déplacement de pouvoir qui est très contextuel. Tu définis le cadre. Enfin, il y a tout un truc qui se place où tu donnes. Tu te lâches le contrôle, mais tu es en pouvoir. Et ça, c'est un truc qu'on trouve, ce contrat, il n'est pas respecté, il n'est même pas instauré, il n'est pas verbalisé dans plein de pratiques de domination beaucoup plus, moins sophistiquées, beaucoup plus simples. Mais moi, j'y crois pas, en fait. Moi, mon mec, il me domine de ouf au lit, et puis après, on sort la chambre à coucher, et c'est bon, il n'y a rien qui se passe, on retourne dans une dynamique égalitaire. Moi, j'y crois pas trop si ça n'a pas été instauré dans un cadre de pratiques de domination qui sont du coup des pratiques BDSM. Si c'est vraiment un truc qui n'est jamais verbalisé et perçu comme tel, c'est juste que dans ton sexe, en général, bah, tu reproduis des inégalités que tu observes ailleurs. Et c'est ça qui me met mal à l'aise, tu vois. Peut-être que je suis un peu psychorigide et que j'ai besoin de catégories et de labels et d'étiquettes, mais ça me... Oh. Non, c'est assez vrai. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est... En fait, si c'est si inconscient... Mais si c'est à ce point commun chez tout le monde que étonnamment c'est beaucoup plus les femmes qui aiment être dominées et beaucoup plus les hommes qui aiment dominer, c'est que effectivement il y a quelque chose derrière de reproduction d'un schéma dont tu te rends pas compte et où dans le féminisme on a quand même réussi à faire exactement ce que Simone de Beauvoir craignait, c'était de faire croire aux femmes que tout ce qu'elles faisaient elles le faisaient pour elles. Et donc aujourd'hui, n'importe quel choix qui est littéralement une obéissance aux injonctions, une meuf peut te dire « mais je le fais pour moi ». Et tu peux pas lui dire « non ». Tu peux pas lui interdire, parce qu'on est dans un monde qui est beaucoup trop sexiste et compliqué pour se développer en tant que meuf. Mais en même temps, c'est ce nouvel argument de « non mais je le fais pour moi, je le fais en connaissance de cause ». En fait, non, tu le fais en pensant que tu connais les causes, mais tu le fais pas en te demandant profondément... Si vraiment t'es consciente des tenants et des aboutissants et de comment justement ça s'installe dans la chambre à coucher et ça se désinstalle après. En fait, si c'est pas verbalisé, je suis d'accord avec toi, je pense que si c'est pas conscientisé par les deux personnes ensemble, ou les 15 personnes ensemble, c'est pas. Ça marche pas de. C'est pas fluide, c'est pas un truc avec lequel on est tous et toutes ok. Sinon, je pense qu'on le dirait beaucoup plus, tu sais. Mais pour cet épisode, j'ai mené une mini étude sociologique auprès de mes potes. C'est bien quand tu prends l'accent du sud quand tu dis ça, étude sociologique. Une étude vraiment très très sérieuse. Et les résultats sont vraiment sans appel. Il y a genre plus de 90% de mes copines qui adorent se faire dominer au lit et quasi 100% de mes potes mecs qui adorent dominer au lit. Et en fait, quand je demande à mes copines qu'est-ce qui les attire tant, tu vois, dans cette domination, toutes elles me disent la même chose. Elles me disent j'aime l'idée de me sentir toute petite, toute fragile dans ses bras, plus le mec il est grand, il a des gros bras et plus je me sens petite et vulnérable, ouais, plus j'adore. Prends juste la ligne 4 à 23h. Elles vont dire j'adore qu'on me prenne, qu'on me retourne, j'adore qu'on me soulève, j'adore sentir que j'ai pas la force physique, etc. Et quand je creuse sur le pourquoi, elles me disent toutes mais en fait l'égalité dans la vie c'est cool, mais l'égalité au lit c'est chiant et c'est le contraste qui est intéressant, c'est le contraste de force, c'est le contraste de puissance. S'il y a pas de contraste, on s'ennuie. Et alors pourquoi selon vous cette égalité au lit pour tant de monde elle est chiante en fait? C'est bizarre parce que ça veut dire que tu considérerais les rapports sexuels uniquement comme un rapport où il faut qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre. Donc il y a forcément une hiérarchie au lit, comme si tu pouvais avoir aucun autre rôle que qui est le chef. Et c'est très bizarre, il y a vraiment pour moi le côté hyper capitaliste qui est rentré là-dedans et qui te dit que dans tous tes rapports humains, il faut qu'il y ait un rapport de domination de quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça absurde parce que tu peux avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans avoir forcément besoin qu'il y ait une hiérarchie.
En l'occurrence, si c'est des personnes aiment les jeux de rôle, tu peux très bien avoir Ariel et Polochon, et c'est pas un truc de domination, tu vois, mais il y a quand même chacun son rôle. Et du coup, je trouve ça toujours amusant d'imaginer que tu ne peux pas avoir de rapport sexuel avec quelqu'un si tu ne sais pas qui est le N plus 1 de l'autre. Putain. Qui est le boss? C'est qui le patron, finalement? Et du coup, enfiler un costume qui va être celui de oh, « je suis la personne qui domine » ou oh, « je suis la personne qui est dominée ». Et pour moi, c'est déjà une mauvaise conception des rapports sexuels et des rapports humains, parce que l'égalité dans la vie, c'est cool. On n'y est pas, déjà. Donc c'est sympa de le dire, mais quand il n'y aura plus de féminicide, qu'on sera payé pareil et qu'on ne nous poussera pas toujours vers des carrières dans la beauté, on pourra en reparler, mais il peut y avoir une égalité sans qu'il y ait forcément pas de décalage ou pas de plaisir. En fait, imaginez que le plaisir n'existe que dans la contrainte, c'est encore une fois, c'est capitaliste. C'est capitaliste. C'est ça, c'est ah, j'adore faire des heures sup. Ah oui, fais-moi faire des heures sup. Enfin ouais, pour moi c'est le vrai BDSM, c'est ça quoi. C'est tu vas dans la chambre et il fait non, tu vas devoir faire de la compta. Et jusqu'à pas d'heure. Ça c'est chiant. Être payé au SMIC. Enfin voilà, tu vois, ça c'est des choses où j'ai l'impression encore une fois que comme c'est la norme de beaucoup de personnes, le fait d'être exploité, il y a quelque chose de bon, bah en fait, il n'y a que deux choix dans la vie. Soit on est la personne qui exploite, soit on est la personne qui est exploitée. Mmh. Et on est obligé de se faire avec la réalité qu'on a. Donc on se dit, bah ouais, au lieu, on va faire pareil. Mais du coup, c'est intéressant parce que je me demande si c'est pas juste la facilité, le manque de créativité et la flemme, en fait, des gens au lit, qui est de se dire, si j'ai envie de pimenter mon rapport sexuel, je vais passer à la fessée, tiens. Je vais passer à le petit truc, là, le petit étouffement, les jeux de respiration qui nécessitent, par ailleurs, une certaine formation et de savoir comment le faire. Mais du coup, tu vois, je me dis, c'est pas genre juste la facilité, parce que c'est des choses, ben, du coup, c'est justement des rapports de domination dont on est habitué, en fait, depuis qu'on est toute petite. C'est la société qui nous l'apprend, et c'est aussi ben, le porno qu'on regarde, quoi. Et encore là, du coup, je m'extrais un peu de ce qu'on appelle du coup, les pratiques BDSM, qui est que, enfin, il y a plus de 90% des scènes de porno mainstream et conventionnel, donc c'est le porno qui est libre d'accès sur Internet, qui sont en réalité des scènes de violence, en fait, et de domination. Et c'est hyper banalisé, en fait, c'est juste que c'est normal. Moi, si tu mets un label BDSM, à la limite, c'est de la merde, je m'en fiche. Mais si tu mets pas de label et que je vois quelqu'un qui est en train d'étouffer un autre, il y a un problème, c'est une agression, en fait, c'est une agression sexuelle. Mais il y a aussi beaucoup le problème du POV, du point of view, c'est que c'est quasi systématiquement un point de vue de la personne qui prend l'autre et qui domine l'autre. Donc en fait, on ne voit, même en tant que femme, on grandit avec un porno dans lequel on ne voit que des femmes se faire prendre et se faire dominer ou se faire... abuser ou tout ça. Ouais, tout à fait. Et dans les titres que tu vois, les titres, mais rien que le verbatim est hyper violent, en fait. Et bon, après, je suis pas là pour vraiment défoncer le porno, parce que je pense que ça peut être merveilleux et très bien fait. Mais il y a quand même ce côté de genre, mais celui-là, il est particulièrement dégueulasse. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça nous a normalisé la violence. Et ça fait que c'est un peu genre, ok, je veux pimenter mon couple, ça va plus, on a arrêté de baiser, ça fait deux semaines, tralala. Ok, qu'est-ce que je fais? Tiens, est-ce que j'irais pas aller acheter une cravache? Tiens, est-ce que j'irais pas porter de la lingerie un peu plus sexy? Mais est-ce que je ferais pas la petite soubrette, etc.? Enfin, genre, c'est juste, moi, ça me saoule parce que j'ai l'impression que c'est un manque, en fait, de créativité et un raccourci un peu flemmard, en fait, entre le sexe pimenté et le sexe de domination. Je pense aussi qu'il y a un problème d'accessibilité à autre chose. Parce que si jamais tu sais pas où regarder, si tu sais pas quoi faire et que tu veux pimenter, déjà, je trouve que c'est drôle d'utiliser le mot pimenter parce que c'est quand même le champ lexical de quelque chose d'assez désagréable. Ouais. Le piment, c'est rarement un truc qu'on fait, trop cool. Du coup, il y a un truc de déjà, on sait que pour pimenter, il va falloir qu'il y ait de la douleur. On dit pas, on va sucrer un peu notre vie sexuelle. Non, tu vas pas la sucrer, tu vas la pimenter. Quand t'as pas les ressources et que tu sais pas où aller regarder, tu sais pas où chercher, bah effectivement, le truc qui tombe à tes pieds, en général, c'est à la femme de faire quelque chose pour aller plus dans les fantasmes du mec, puisque bah nous, on nous interdit le désir et donc le fantasme dès le plus jeune âge. Hein, attention, une femme qui désire, c'est dégueulasse. Une femme qui maîtrise sa vie sexuelle, horrible. Donc du coup, c'est plus... c'est très souvent à la femme d'aller se rajouter des ficelles dans tous les orifices et autres trucs un petit peu douloureux, mais c'est rare quand même, effectivement, que t'aies un couple qui te dise « Pour pimenter notre vie sexuelle, Roger a accepté de se faire pénétrer. » Ouais. Ça m'étonnerait.
Mais vous savez que j'ai trouvé une étude que j'ai assez intéressante. Donc en 2023, le top fantasme en France, tout sexe confondu, homme comme femme, c'est le plan à 3. Ok, pas de surprise. En revanche, en 2011, à votre avis, qu'est-ce que c'était ? Ce top fantasme des Français et Françaises confondus. En fait, je vais vous le dire, vous pouvez pas le deviner, c'est indévinable. En 2011, le fantasme numéro 1 en France, homme-femme confondu, c'était être pris par surprise dans son sommeil. Pour moi, je trouve ça extrêmement cohérent avec la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire que les femmes ont toutes quasiment un syndrome de Stockholm. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on continue pour la plupart à s'épiler, à se maquiller, à s'habiller d'une certaine manière, à faire beaucoup plus d'efforts sur notre apparence, ne serait-ce qu'à s'hydrater la peau, contrairement à beaucoup d'hommes. Donc du coup, on a quand même accepté les règles de ça. Et quand on commence à dire, attendez, c'est pas juste, on a des droits et on aimerait bien qu'ils soient respectés, comme on nous traite de féminazie et qu'on nous dit qu'on est des harpies, on se tait. Donc on est encore dans une société dans laquelle il n'y a pas eu de révolution féministe. Il y a encore beaucoup de personnes qui essayent, mais à chaque fois, on a toujours des garçons qui font « on peut plus rien dire, après on sait pas comment faire ». Voilà. Et donc du coup, en fait, on a pas grand chose à leur dire. Donc on fait non, mais en fait on voulait pas te brusquer. C'est parce que tu vois, en fait, ce qu'on voudrait expliquer, c'est que, et donc comme on est désolé de base, on n'est pas du tout radical. On est personne. Tout le monde te dira ouais, mais il y a aussi des féministes un peu radicales qui, ok, bah cite-moi deux vraiment. Déjà, tu peux pas. Parce qu'en fait, on n'est jamais radical parce que on est encore dans ce syndrome de Stockholm où on est là. C'était pas du tout pour vous embêter, mais c'était pour dire que vous aviez votre pied sur mon visage. Mais peut-être j'ai mis mon visage sous votre pied, je sais pas, enfin désolée. Ouais, c'est comme quand quelqu'un te fonce dessus dans la rue et qu'en tant que femme tu dis désolée, direct. Ouais. Je suis sûre que les hommes font ça. Mais en fait on fait ça de la même manière que on va autoriser beaucoup plus de maladresse et de voir de conneries un peu de la part des mecs avec qui on a une intimité, alors que on sait très bien que sur internet, n'importe où, on serait là à leur dire mais attends, t'as un problème mec. Mmh. Donc bon, ça c'est ok. Et comme on a syndrome de Stockholm, pour moi il y a quelque chose de logique avec le fait que le fantasme du viol soit encore un truc hyper présent chez les femmes, c'est que on nous a quand même, nous aussi, nourri de ça. On nous a nourri dans les films, dans les séries, dans tout de culture du viol. On nous a nourri de quand une femme elle dit non, en fait elle dit peut-être oui. Et donc nous-mêmes on est là en train de dire de toute façon mon nom n'a aucune valeur, comme ça va m'arriver coûte que coûte, autant que je m'y fasse. Et pour moi, ça a été érotisé quoi, de ouf, on en a fait. En fait il y avait plein de films et des séries et on nous a vendu ça comme le truc où limite si t'es pas un petit peu réticente, c'est pas très excitant quoi. Parce qu'en plus on nous a dit que si nous on avait du désir et que nous on allait draguer et chercher ce rapport, mais en fait on était juste, on était des salopes quoi. Donc c'est vraiment tout le temps, comme d'habitude, l'espèce de toute petite case dans laquelle il faut qu'on rentre, mais où on déborde largement. Et donc pour moi ça me semble normal que ce fantasme là soit le plus évolué, et c'est souvent un argument d'ailleurs de plein de mecs pour dire que les meufs qui portent plainte pour viol, quand même, elles abusent un peu parce que ça peut être leur fantasme. Mais en fait, ça peut être ton fantasme d'être forcé parce que cette société, parce que cette éducation, parce que toute cette culture que t'as bouffée. Et en même temps, ça peut aussi être pas normal d'être violée et porter plainte. Et c'est fou, en fait, parce que ces gens-là veulent pas entendre la difficulté en tant que femme d'exister avec ses envies, ses désirs, sa manière d'être dans un monde qui, de toute façon, nous dit qu'on a tort. Parce qu'en fait, on a tort. On n'existe pas correctement. Pour tout le monde. Mais je pense que c'est hyper important de le matraquer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais réaliser leur fantasme. Et c'est parce que le fantasme, c'est censé rester. C'est un imaginaire, en fait. Et j'ai bien aimé la définition, c'est échapper à la réalité, le fantasme. Et du coup, ça m'a posé une question d'étymologie différente et de définition. Lorsque tu avais parlé des fantasmes qui dérangent, les fantasmes encombrants, et je me suis dit, mais par définition, en fait, si les fantasmes, c'est des choses qui nous font échapper à notre réalité, à notre quotidien, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose de fondamentalement dérangeant tout le temps? Et j'ai plus trop où je voulais en venir, mais c'était un peu ça l'idée, de genre les fantasmes. Tu vois, tu parlais des hiérarchies des fantasmes qui peuvent être plus ou moins encombrants. Alors oui, je suis d'accord, si tu veux te faire, tu vas badigeonner d'eau bénite et prendre dans une église, c'est plus compliqué que genre le plan A3. Voilà, je pense que c'est plus difficile à verbaliser. Mais néanmoins, j'ai l'impression que tous les fantasmes ont par essence encombrants. Voilà. Ouais. C'était un peu ça. Ouais, c'est vrai. Et j'ai l'impression, moi, d'avoir beaucoup eu la chance de vivre des expériences que j'avais pas eu le temps d'intellectualiser avant. Parce que je pense que quand tu commences à faire la liste de tes fantasmes, tu te mets une sorte de petite pression de tableau de chasse. Ouais. Et un truc qui fait que quand ça va se réaliser, si t'arrives à le réaliser parce que c'est pas trop compliqué, ça va probablement juste pas être aussi fun. Alors que moi, j'ai été plein de fois surprise par ce qui aurait pu être le fantasme de quelqu'un.
mais qui s'est avéré être juste là dans l'instant, dans le contexte, un truc qui a été fait et où je me dis putain, et la chance, parce que j'ai eu la chance de pas avoir à le réfléchir trop avant et donc à avoir trop d'attente. Ça arrive, ouais. Et effectivement, je pense que l'idée du fantasme, en tout cas dans notre société, c'est devenu quelque chose d'encombrant. C'est enfin, si tu dis juste moi mon fantasme, c'est vraiment d'être amoureuse et que en fait on fusionne, les gens vont rire en disant bah oui, mais ça c'est permis en fait, c'est ok. Et donc effectivement, je pense que l'idée du fantasme de nos jours, en tout cas, on te demande toujours quel est le truc le plus fou et le plus dérangeant que tu veux faire. C'est vrai que si en soirée entre potes, tu dis juste oh bah moi mon fantasme c'est d'être dans une baignoire ou dans un jacuzzi. C'est un lit. C'est un lit avec des draps mais en coton. Avec des bons draps, c'est une bonne marque. Oui, les gens trouvent pas ça fou. Mais oui, effectivement, il doit y avoir un truc un peu interdit quoi derrière. Ouais. Et le problème, c'est que très rapidement. Pour les femmes, comme notre désir nous a été brimé toute notre vie, c'est facile, il suffit juste de dire coucher avec quelqu'un pour que les gens soient là. Oh, dis donc. Dis donc, elle est dévergondée celle-ci. Et pour les mecs, ça part toujours vers des choses terriblement problématiques et dramatiques où il y a une objectification telle du corps de la femme que ça en est un peu flippant, quoi. Et vous deux, vous avez déjà eu un fantasme où vous vous êtes dit, ok, je peux pas assumer ça, c'est pas possible, enfin, c'est un truc qui vous a dérangé? Ah ouais, j'ai un truc pour les marques sur le corps. Mm-hmm. C'est un truc, c'est que ce soit des marques, du coup, que ce soit des bleus, que ce soit des marques de morsures, que ce soit des trucs comme ça. Genre, c'est un truc, et les tatouages, les cicatrices, les trucs comme ça. Et j'ai un truc, là, je sais même pas si c'est encore le fantasme, enfin, c'est presque plus une sorte de. Je vais pas appeler ça une préférence, c'est chelou parce que je choisis évidemment aucun de mes partenaires basés là-dessus. Mais il y a un truc, une sorte de fascination sur le corps, en fait, qui est marqué par quelque chose. Voilà, j'ai dit dans le vague maintenant. Et le truc par contre, c'est que je ne peux pas faire mal. Je peux pas donner de, je peux pas voilà, je peux pas les faire ces marques. Du coup, je me retrouve dans des situations parfois où j'ai vocalisé, du coup j'ai verbalisé ces préférences, on va dire ces fantasmes, ce truc un peu de fascination. Ils sont là-bas. Vas-y. Et ça, ouais, mais moi j'aime bien en fait, j'aime bien associer un peu le plaisir et la douleur. Donc vas-y. Et du coup, ça nous met dans une impasse un peu genre non, mais j'ose pas trop, je sais pas comment est-ce qu'on fait. Ouais, mais il y a un truc où c'est difficile d'un coup quand tu te rends compte que peut-être que le statut que t'as au lit, il est complètement acquis. Par ce que la société t'a enseigné et que tu te dis ben je vais aller à l'encontre pour voir et t'as l'impression d'emprunter un costume trop grand et de faire attention je vais être quelqu'un qui domine alors tu la sens ma cheville et en fait toi-même enfin moi ça m'est arrivé déjà d'être en position de domination pour voir justement pour me dire attendez c'est pas possible je peux pas avoir pas le choix et en fait j'étais là mais non il aurait fallu que j'aie le choix au tout début il aurait fallu que je sois construite avec autant de modèles de femmes qui dominent que de femmes qui soient dominées. Et là, j'aurais pu vraiment faire un choix en connaissance de cause, mais les rares fois où j'ai dû le faire, j'étais là. Alors, ça va, je te fais pas mal. Ouais. Tu sais, t'es pas, du coup, je vois ce que tu veux dire. Content, finalement, c'est rien qui passe. Bah ouais. Oh là là. Et moi, je sais que je saurais pas. Si jamais un mec me disait, moi, j'adore vraiment, genre être dominée et tout, je serais là. Bah, je peux pas t'aider, quoi. Je sais pas, paye des impôts, tu verras. Tu vas être bien dominée comme il faut. La réforme de retraite, oh là là. Tu vas vraiment bien t'apprendre, t'inquiète pas. Ouais, et ça, je trouve ça intéressant maintenant qu'on parle peut-être des trucs et des ouvertures, parce que moi, il y a un truc qui a changé ma life. Bon, forcément, ça a été de sortir du placard et d'être pansexuelle. Et aussi, du coup, de découvrir la sexualité queer et de voir que les fantasmes, en fait, sont beaucoup plus variés parce qu'on est moins scripté. Encore, j'en ai toujours assez script, hein, je suis relou, quoi. Mais c'est vraiment l'idée vu qu'on a moins de modèles, vu qu'il y a moins de représentations sexuelles, et que ce soit pas seulement dans le porno, mais il y a quasiment rien en télé, hein, donc maintenant un peu plus, mais vu qu'il y a moins de représentations, il faut se parler, quoi. Et il faut, du coup, créer un nouvel imaginaire ensemble. Ouais. Et donc, en fait, tu te retrouves avec des trucs un peu farfelus et des trucs qui sortent, en fait, de toi et de ce qui se passe entre les personnes. Et donc, j'ai l'impression que c'est... Même si, forcément, le sexe queer est intrinsèquement extrêmement politique, il y a quelque chose de frais, en fait. Ouais. Donc, oui, parce que effectivement, tu es obligé de composer. Après, il y a aussi cette espèce de double peine, à mon sens, qui est que... T'es quand même construit selon le genre avec lequel t'es né et pendant un certain temps avec l'éducation que t'as eue. Et du coup, ça m'est déjà arrivé d'avoir des copines beaucoup plus
patriarcales dans leur manière dans leur rêve de famille, de Renault Espace, de Labrador dans le jardin et de tripoter d'enfants, et dans leur sexualité en fait, des trucs où tu te dis genre mais comme enfin c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement un pouvoir qui est invisible et en même temps insidieux, qui fait que même justement quand t'es marginalisé, ben tes aspirations, tes désirs, tes fantasmes ne le sont pas et ils restent très carré et droit, et je trouve que c'est, enfin je dirais pas que c'est pire, mais c'est hyper violent, je trouve, de s'en rendre compte. Je suis d'accord. Par contre, ce que je peux trouver intéressant, c'est de s'inspirer en fait de cette dynamique là et d'essayer de la réinstaurer dans la sexualité et l'intimité hétérosexuelle, tu vois, d'essayer de s'inspirer en fait de recomposer de cette manière là et maintenant j'ai oublié le nom de la sociologue, mais l'idée de choisir le fait d'être un homme hétéro, de le choisir en fait, de se questionner, est-ce que de se dire ok voilà, j'ai tout cet éventail de possibilités, mais en fait j'ai choisi mon identité de genre, j'ai choisi mon orientation sexuelle, j'ai choisi d'être un homme hétéro, et de par là j'en suis fière en fait. Je suis trop content d'être, je suis trop saucée d'être un homme hétéro, et du coup je vais le vivre avec joie et je vais célébrer en fait le fait d'avoir la chance du coup de pouvoir interagir avec des meufs potentiellement aussi hétéro, et il se passe un truc assez magique. Et là en fait je pense que si tu rétablis cette espèce de joie et cette volonté en fait de chérir en fait cette intimité là, je pense qu'il peut se passer des choses assez magiques. Là je suis assez méta par contre, hein. Je suis assez d'accord. C'est effectivement parce que vivre ta sexualité toute ta vie en me disant peut-être que je suis hétéro par défaut, voilà, peut-être que je suis tout ce que je suis dans ma sexualité par défaut, peut-être que c'est finalement, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose, est-ce que je l'aurais été naturellement si j'avais été en Grèce antique, enfin non, sûrement pas, la réponse est non. Et il y a quelque chose derrière je pense de très intéressant, justement en se disant que même si effectivement t'es dans ce qu'on appelle la norme, et ben tu peux aussi dire mais je me suis posé la question et en fait je suis assez alignée avec ça, et cette manière aussi d'incarner et d'assumer que tu sois une femme hétéro ou un homme hétéro, enfin ou pas, c'est de dire Non, je me suis posé vraiment la question. Je le suis pas par défaut. Ouais, et je pense que si c'est d'avoir cette intention, je pense que ça se retranscrit vachement dans la sexualité. Parce que moi, je fais vraiment le lien entre un sexe du coup créatif, des fantasmes qui sont plus créatifs, qui tombent pas dans la domination par défaut, même si la domination, ça peut être très cool, encore une fois. Parce qu'il y a ce choix, en fait, d'être là comme tu es, dans ton identité, et d'être là avec cette personne parce que tu l'as choisi. Et ça, du coup, je me dis, putain, comment est-ce que je peux extraire cette sorte d'intention, cette awareness, et la réinstiller dans les rapports hétéros, voilà. Bah, pour moi, c'est la même chose de qu'est-ce que t'as à prouver, en fait, quand t'es avec des mecs hétéros qui ont tout à prouver, et qui veulent absolument montrer qu'ils sont des mecs qui sont virils, qu'ils en ont une énorme, et que de toute façon, c'est eux les chefs, bah, encore une fois, quelqu'un qui a un truc à prouver va en faire des caisses, alors que la plupart des mecs hétéros avec qui la sexualité est fluide et elle n'est pas avec des rapports de domination forcément, en tout cas elle peut bouger, elle est flexible, tout le monde change de rôle, etc. C'est souvent des mecs qui n'ont pas besoin de prouver leur virilité. Et encore une fois, le problème, on revient toujours à la même chose, notre problème à tous et à toutes, c'est la masculinité toxique. Et quand tu es avec un mec qui n'est pas toxique dans sa masculinité et qui n'a pas besoin de faire semblant qu'il ne se met pas de la bello quand il a les lèvres gercées parce que c'est un bonhomme, bah, il n'a rien à prouver. Et donc du coup, au lit, il est tout à fait aussi ouvert que dans la vie, et il n'a pas besoin de faire semblant devant ses potes, quoi. Mais ça, c'est quand même très dur à trouver parce qu'ils sont très, très fragiles. Et Maya Mazoret, il y a quelques années, elle parlait d'éduquer ses préférences comme on éduque son palais. Vous y croyez, vous, à ça? Absolument, ouais. Ouais, je vois bien mes goûts qui ont pu changer, ne serait-ce que sur mon apparence, sur le fait que je me préférais avec du maquillage à tel âge. Puis en fait, je me suis dit, mais non, pas du tout. Je mettais des soutiens-gorge à tel âge en me disant, c'est super et tout. En plus, ils sont hyper rembourrés. C'était littéralement des coussins, les trucs. Vraiment, tu pouvais dormir dessus, quoi, dans le train. Puis en fait, j'ai changé d'avis. J'ai arrêté de m'épiler parce que ça me saoulait. Et pareil, j'ai dû faire un travail de rééduquer mon regard sur mon propre corps en arrêtant de regarder mes jambes ou mon pubis en me disant « Ah, je me dégoûte !» Parce que, bah oui, quand tu décides de te laisser pousser les poils, tu te mets pas à t'adorer du jour au lendemain, quoi. Tu te dis pas « Ah, oh, mon Dieu, mais, j'étais magnifique depuis le début, je savais pas !» Non, toi-même, t'es là à faire « Ok, faut que je m'habitue !» Donc ouais, on s'habitue à tout. De la même manière que, dans les années 2000, la mode, c'était le sourcil extrêmement fin, limite dessiné. Aujourd'hui, la mode, c'est le sourcil extrêmement épais, tatoué, rajouté, etc. Du coup, comme les modes changent, la beauté est une
d'un concept complètement subjectif et qu'on nous impose. Sauf qu'au lieu de nous imposer tout un tas de beautés, on nous en impose qu'une seule. Et bah pareil pour le désir, tu peux évidemment rééduquer. Ouais, mais il y a plein de gens qui vont te dire tout ce que tu viens de dire, l'épilation, les goûts, les fringues, tout ça, évidemment que ça se change, mais les fantasmes sexuels, non, ça se maîtrise pas, ça se change pas, ça se, tu vois. Mais si c'était vraiment le cas, je pense qu'on serait, pour la plupart des humains, tous homosexuels, vraiment. Je pense que les femmes seraient attirées beaucoup plus par les femmes parce que ce serait beaucoup plus autorisé, et les hommes seraient beaucoup plus attirés par les hommes parce que ce serait beaucoup plus autorisé. Je pense que c'est, y a rien qui est inné chez l'être humain, si ce n'est le désir de manger et de ken. Mais ça précise pas avec qui, tu vois. C'est juste voilà, la reproduction de l'espèce. On est des animaux, en fait. On a passé des années à vouloir se faire croire qu'on n'était pas des animaux, qu'on était mieux que les animaux, parce que nous, on avait une âme, parce que nous aussi, on avait une conscience, parce que nous, on savait réfléchir. Mais en fait, on est vraiment des putains de bêtes. Et c'est littéralement les vrais désirs primaires de l'humain. Mais donc, tout le reste est construit. Et il n'y a pas du tout d'inné dans les fantasmes. Parce que sinon, enfin, ça voudrait dire que selon les pays... Quand tu regardes déjà les fantasmes ou même les standards de beauté qui sont modifiés, ça voudrait dire que ça annule tout ça. Si on est tous vraiment exactement le produit de la même chose, ben, ça voudrait dire qu'on devrait tous avoir les mêmes fantasmes exactement. Et c'est pas le cas. Il y a des personnes qui veulent que ce soit le roi Triton qui les baise, tu vois. Et... Donc du coup... Après, je comprends ce que tu veux dire dans le sens... Enfin, je suis tout à fait d'accord, à 100%. Je comprends qu'il peut y avoir une sorte de raccourci encore qui est fait entre fantasmes et fétiches. Et encore les fétiches, tu vois, bon, il y a plein de choses qui sont, enfin voilà, c'est quelque chose de très intéressant. C'est aussi quelque chose de particulièrement masculin, donc c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi. Mais quand on parle de fétiche et qu'on parle de fixation sur des certaines pratiques, certains objets, certaines parties du corps, blablabla, dynamique. Donc ça, effectivement, il y a certaines choses qui sont ancrées dans notre psyché et donc des choses qui se forment très très jeunes. Donc forcément, on peut avoir des fixations et des réactions physiologiques qu'on peut plus contrôler, qui sont par rapport à certaines choses. Donc ça, effectivement, ça prend plus de temps en termes de rééducation. C'est bizarre, putain, on dirait que t'as une malformation. C'est un truc chelou. Mais oui, ça prend plus de temps. Mais encore une fois, ça, c'est mais on peut se rééduquer si ça devient ce qu'on appelle un désordre sexuel. Enfin, si ça devient quelque chose qui en fait te fait souffrir. Et à ce moment-là, oui, ça peut être quelque chose qu'il est nécessaire de rééduquer si tu veux avoir une vie plus à ton goût, quoi. Bien sûr, mais c'est faisable, comme l'époque où il n'y avait pas de justice et pas de loi et on pouvait tous se tuer parce qu'on ne s'aimait pas. À un moment, c'était des pulsions, hein. On ne le faisait pas parce que ça nous faisait plaisir, mais on a tous appris à ne pas le faire. Et de la même manière que toutes les pulsions qui existent chez l'humain sont des pulsions humaines. Alors, il y en a qui sont illégales, donc du coup, c'est pour ça qu'on apprend à travailler dessus et que logiquement, on ne le fait pas, mais tout rendre tabou fait que tout devient quelque chose d'interdit et donc de beaucoup plus tentant. Alors que c'est justement en parlant, plus on parlera du viol, moins ce sera un fantasme. J'en suis convaincue. Plus on parlera de la pédopornographie, moins ce sera un fantasme, parce que on acceptera qu'il y a des personnes qui ont ces idées-là et que ça ne veut pas dire qu'ils vont aller au bout. Mais encore une fois, le problème, c'est de tout rendre tabou et secret et de devoir laisser les gens avec leur honte et leur culpabilité à l'intérieur d'eux. Et c'est ça qui fait des délits. Il faut juste en parler. C'est comme ça. Je pense qu'on a déjà toutes dans cette pièce et tous eu des pensées un peu genre où on s'est dit trop bizarre, je me suis imaginé prendre ce verre, le casser en deux et te couper la jugulaire. C'est imaginer pousser les gens dans le métro, même quand t'as des invités chez toi, que tu vois ton couteau de cuisine et tu dis oh, et si jamais exactement, on a tous et toutes eu ça. Du coup, l'idée, c'est de dire ben, si on en parle, en fait, on fait en sorte que ce truc là ne soit pas quelque chose qu'on va désirer ou qui va nous hanter, puisqu'on dit c'est drôle ce que je me suis imaginé tomber là dans la rame. Et c'était pas désagréable, mais en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Et je me suis dit, non, je vais bloquer. Après, les gens vont être là, non, elle bloque la circulation, c'est chiant, il y a des grèves. Mais tu vois, c'est des choses où, encore une fois, et c'est pareil pour les fantasmes, je pense que plus on les rend tous tabous, plus en fait on essaye de faire, de déshumaniser, de faire croire qu'il y a des choses qui sont inhumaines alors qu'elles arrivent aux humains, plus on en fait des trucs qui sont des problèmes. Et plus on se voit à la face. Ah oui, en plus, bien sûr. Ouais. Carrément, mais écoutez, je vous propose qu'on écoute un petit peu les témoignages de la communauté. On a deux voice notes à écouter et on va voir un petit peu ce que la communauté en pense de ce sujet. Bonjour, je m'appelle Ellie, j'ai 31 ans, je suis une femme cis et je suis queer. Je suis féministe et je pratique le BDSM avec mes partenaires. Il me semble que ce sont des pratiques qui sont totalement incohérentes avec la défense des droits humains au pluriel. Alors j'ai des questions, notamment suis-je réellement féministe
Ou bien suis-je malgré moi une grosse victime du patriarcat? Grosse vicose. Bah non, mais les deux. Mais c'est, enfin, je trouve ça, c'est très mignon de demander si t'es une vraie féministe, comme si on avait, ne serait-ce que nous, le pouvoir de valider, de dire voici le badge, la vraie féministe. Déjà, personne ne l'a, le féminisme, c'est un truc qui est propre à chacun, à chacune. Vraiment, tu le prends comme tu veux, t'en fais ce que tu veux, tu le salis, tu le tords, tu le fais, tu le défais. C'est vraiment un truc qui appartient à chacun et à chacune. Personne ne peut te dire ce que c'est qu'une vraie féministe ou une fausse féministe. Vraiment, personne. Aucun texte, aucune personne qui te cite un texte, aucune personne qui pense qu'elle est plus féministe que toi. On n'est pas dans une compétition, on n'est pas là en train d'essayer de faire des records, tu vois. Et ensuite, oui, t'es aussi une victime du patriarcat, mais grosse surprise, on est toutes des victimes du patriarcat. T'es pas toute seule. Parce qu'en fait, on est dans un monde qui est patriarcal. Si t'étais pas une victime du patriarcat, ça voudrait dire que t'as eu la chance de pouvoir être élevée à l'extérieur du monde sans aucune trace de cette culture-là patriarcale, dans la forêt, seule, et que probablement tes seuls amis sont des arbres. Exactement. Donc, c'est pas possible. Et aujourd'hui, je le dis aussi, hein, je suis une féministe totalement victime du patriarcat jusqu'à, je pense, le jour de ma mort, où je serai forcément dans un monde patriarcal aussi plein de croyances limitantes, de bêtises, de biais et de choses comme ça. Mais, et c'est pas grave. En fait, c'est ça le secret, c'est juste de dire oui à tout, mais c'est pas grave. Et c'est ok, et c'est cool tant que t'es aligné avec ça et que t'aimes ce que tu fais dans ton lit. C'est trop bien. Si en fait tu te rends compte un matin que en fait peut-être t'aimes pas trop, oui non arrête, mais si t'aimes ça, bah trop bien, continue. J'aime tellement ta réponse, je suis tellement contente qu'elle soit enregistrée. Je pense que je me la repasserai tous les jours, je la réécouterai, c'est pour me rassurer. Non, mais oui, on cherche toujours cette espèce de pureté, cette espèce de justesse, tant dans le militantisme que dans ce qu'on aime, il faut être aligné et tout. Mais en fait, non, c'est compliqué la vie, et encore plus quand on fait partie du genre qui a été le plus bolossé par la société. On va pas attendre, on nous demande d'être plus intelligente alors qu'on n'est pas encore au même niveau de considération sociale. Ça va pas, non? Ok, bah écoutez, merci à toutes les deux pour ce débat philosophique enflammé. J'ai adoré parler de fantasmes, des fantasmes un peu encombrants qui prennent un peu de place avec vous. J'ai une dernière question pour vous avant qu'on se quitte. Du coup, qu'est-ce que je fais concrètement demain si je suis pas à l'aise avec un de mes fantasmes? Genre, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Ben, de te demander... dans quel cadre tu te souviens qu'il est venu pour la première fois? Enfin, en gros, un peu d'où il vient? Qu'est-ce qui t'excite dedans? Tu sais, te poser genre au moins 7 fois la question. J'ai ce fantasme, ok, mais pourquoi est-ce que ça m'excite? Parce qu'il y a tel truc. Pourquoi, mais c'est pourquoi ça. Ouais. En fait, c'est toujours te dire qu'est-ce qui me plaît dedans, en fait. Qu'est-ce que, si je devais garder juste la sève de ce fantasme, qu'est-ce que ce serait? Et ensuite, te demander toutes les questions possibles et imaginables. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec l'endroit d'où je viens, la manière dont j'ai été éduquée, la manière dont on m'a fait croire que ça, c'était de l'amour? Et ensuite, décider si. C'est quelque chose avec lequel que tu serais à l'aise d'assumer, auquel cas c'est tout à fait ok, ou que tu serais plutôt à l'aise de rééduquer, et donc dans ce cas-là, la porte est ouverte à la rééducation du fantasme. Mais ça, je trouve ça bien, le premier truc que t'as dit là... Les 7 pourquoi ? Non, le deuxième... J'aime bien les 7 pourquoi. Ouais, les 7 pourquoi, c'est puissant, mais je parlais d'essayer d'extraire la partie du fantasme, en fait, la dynamique ou le truc au fond qui te fait kiffer, tu vois. Parce que je trouve que parfois, genre, on fonce tête baissée, tu vois, genre, j'avais un partenaire et elle était plutôt dans le truc, le nursing. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, en fait, c'est dans une position de bébé, en fait, c'est d'adopter des postures... de bébé, voilà, et de vouloir être pris en charge comme un bébé. Et donc, qui est quelque chose qui, moi, ne m'intéresse pas du tout et qui est quelque chose que je me sens vraiment pas du tout à l'aise avec. Donc, l'idée, le compromis, ça a été de s'interroger, en fait, c'est quoi, en fait, le truc là-dedans qui t'excite? Et c'était tout con, c'était juste qu'on prenne soin de toi, en fait. Juste qu'on prenne soin de toi. Ouais, on passe des caresses dans le dos, en fait, et ce genre de petites choses. Et une fois, et ça, je dis, ouais, ça, ok, ça, franchement... Nickel. Donc c'est possible aussi de faire des compromis sur des fantasmes. Ouais, puis de retirer, en l'occurrence, de comprendre vraiment qu'est-ce qui est le truc qui t'excite, que ce soit le danger parce qu'il y a quelque chose d'un peu voyeuriste et qu'en fait c'est pas tant que les gens te voient, mais le danger que les gens te voient ou te surprennent, que c'est le côté hyper interdit, ou que c'est transgressif, encore une fois, c'est à toi de voir. Mais je pense que dans tout fantasme, il y a littéralement
une sève et que c'est ce truc-là qu'il faut comprendre. Et si finalement, ça te met vraiment très mal à l'aise, ça se rééduque. Ou alors ça peut aussi rester un truc qui reste ton fantasme, mais sur lequel tu décides de pas agir, comme ces pensées qu'on a de planter nos voisins pour aucune raison avec notre couteau suisse. Je veux dire, ça m'arrive d'y penser, je le fais pas. Vraiment, j'ai décidé que je le ferai pas. Et ça va pas m'arriver. Hein. C'est le principe, c'est l'avantage des pensées. Les pensées servent à ça. Les pensées servent justement à pouvoir imaginer les choses qu'on ne va pas faire. Écoutez, merci à toutes les deux et merci à vous toutes et toutes d'avoir été nos potes de soirée. Et un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte, on a trop kiffé vous raconter nos vies, nos anecdotes, nos histoires, écoutez les vôtres. Bien sûr, pas de débauche sans after. Donc retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram, femtasy-fr, et jeudi prochain. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos potes les plus débauchés et les moins débauchés en fait, et à mettre 5 étoiles ou à nous laisser des commentaires. Et ouais, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. Et puis on vous laisse avec un teaser de ce qui vous attend la semaine prochaine. Allez, bisous. Ciao. Le squirt et moi, c'est une histoire assez intense. Alors je me suis mise en tête de me faire squirter quoi qu'il en coûte il y a 5 ans. Quoi qu'il en coûte. Okay. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai mis sur le squirt une sorte de symbole de la meuf libérée du cul. Mais voilà, allez comprendre pourquoi. Pour moi, c'était un moyen de se déconstruire. Alors que dans les faits, je me suis mise à faire tout le contraire que de me détendre du slip et de m'écouter. Donc c'était une vraie croisade. Cours en ligne, atelier, bouquin, squirt yoga. Squirt yoga, j'ai fait la totale. Alors, je me suis cloîtrée chez moi des week-ends entiers avec des sextoys qui ressemblaient à des avions. Enfin bref, c'était une obsession. Et comme d'habitude avec le sexe, c'est au moment où j'ai arrêté de me prendre la tête et de me mettre la pression et d'essayer de me conformer à quelque chose que j'ai squirté, forcément. Et c'était rien de particulièrement spectaculaire dans mon cas aussi, donc déception. J'étais là un peu, ben, tout ça pour ça, ok. Mais quand j'ai raconté ça à mes copines, qui ne m'avaient pas vu depuis des mois d'ailleurs, parce que je ne sortais plus chez moi, elles m'ont avoué pour la plupart qu'elles avaient, j'aimerais squirter, enfin l'action de squirter dans leur liste de choses à faire avant de mourir, et certaines avant leurs 30 ans. Rolex, certes, le squirt. Voilà, c'est ça. Donc certes, mes potes sont des obsédés, mais quand même, le squirt, franchement, moi je me dis qu'on a une relation compliquée.